hiding in the cemetery. Johnny and me. We came to put a wreath on my father's grave. And he said, "Can I have some candy, Barbara?" And we didn't have any. And oh, it's hot in here. Hot. Said, "Oh, it's late. Why did we start so late?" And I said, "Johnny, if you'd gotten up earlier, we wouldn't be late." Johnny asked me if I were afraid. And I said, "I'm not afraid, Johnny." And then this man started walking up the road. "Coming to get you, Barbara." And I laughed at him and said, "Johnny, stop it." And then Johnny ran away. And I went up to this man, and I was going to apologize. "Why don't you just keep calm?" And I looked up, and I said, "Good evening." Journaliste apprécié et célèbre auprès des lecteurs romains. Quand le premier assassinat se produisit, je m'y intéressais par pure conscience professionnelle. Il s'agissait d'une étrangère. Je lui consacrai quelques lignes dans ma chronique sans y attacher une attention particulière. Le crime avait été annoncé par un coup de téléphone anonyme. Deux semaines plus tard, le second crime avait lieu, identique au premier. L'assassin allait certainement recommencer. Il fallait l'identifier.
Le meurtrier se rendait invisible. Et jamais il ne laissait aucune trace. Je me mis en chasse immédiatement, espérant découvrir qui c'était avant la police. Et ce fut en enquêtant sur ce troisième meurtre que je fis la connaissance du professeur Dorny, le mari de Laura. Un psychiatre de grande valeur. Nous sommes devenus bons amis. Il était d'accord avec ma thèse et disait que c'était bien un crime de malade mental. Il me poussa à agir. Un jour, enfin, la police trouva le suspect. C'est d'ailleurs Thorani lui-même qui me signala un vagabond. Un psychopathe. On l'appelait Stracianui. C'est moi. Aucune preuve contre lui. Quelques indices. Poussé dans ses retranchements, le pauvre type avait même un point. Devant le tribunal, il se rétracta. Désespéré. Il fut condamné, enfermé dans un hôpital psychiatrique, comme débile mental. Restés dans mes oreilles. Je n'étais plus persuadé que Stracianev était bien l'assassin. J'avais ressenti une espèce de malaise à ce procès. Je repris mes propres articles. Et en fin de compte, j'acquis la conviction que Stracianev était innocent. Je fis l'impossible pour faire admettre cela à Thorani, mais enfin. Je me remis à écrire des articles. J'essayais d'émouvoir le public. Mais c'était une vieille histoire qui n'intéressait plus personne.